parler de notre troisième finaliste. Prisca, à toi l'honneur. D'accord. D'aller le chercher. Troisième finaliste a commencé son parcours au sein de Parks and Resorts, un Walt Disney World Resort en Floride. Mais ce n'est pas tout. Un peu plus tard, il a pris le large avec la Disney Cruise Line. Ça t'aide ? Disney Cruise Line. Les croisières ? Je serais tenté de dire... Non, c'est bon. Ah bah ok, encore. Quel humour. Je nage. Alors encore un dernier indice pour être avec Nathalie. Ton humour. Avec lui, tout a commencé aussi par une souris. Oui, c'est le champion de l'humour aujourd'hui. Si je te dis informatique... Oui. Formation... Ah, centrale de réservation. Tu me réponds... Attends, formation, centrale de réservation. Oui. C'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un. Ah non, c'est pas moi, c'est pas ça. C'est quelqu'un d'autre, merci d'accueillir. Bonjour et merci à tous d'être là avec nous. Alors, ça va? En pleine forme? Oui. Y a-t-il un moment qui t'a particulièrement marqué dans ton expérience à Disney? Je venais d'intégrer l'équipe de réception du Disney Sequoia Lodge. Et en fait, vu que ça allait être les festivités du 15e anniversaire, ben, je voulais marquer l'événement en rappelant que c'était aussi la fête de chacun des cast members. Ah, et qu'est-ce que tu as fait alors pour eux? Alors en fait, j'ai organisé un petit déjeuner. On a décoré la salle de... de réunion avec les portraits de chacun des cast members et on leur a aussi rédigé un petit mot pour les remercier de tout ce qui, de tout ce qu'ils ont fait. C'était pour moi le premier grand moment que j'ai partagé à Disneyland Paris en équipe avec cette touche de magie qui fait la différence Disney. Alors sache que nous avec Julien, un moment qu'on a vraiment beaucoup apprécié, c'était quand on est venu t'annoncer que tu faisais partie. Et finaliste, on est venu par surprise. Oui, sans terre. On l'a fait pour les gens qui disent toi, tu es resté vraiment sans voix. Et ça nous a vraiment marqué. Tu t'en souviens, Julien, ou pas? Oui, oui, Sébastien était comme ça. Ah oui, non mais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est dommage, on a oublié d'apporter la photo parce qu'on a des très belles photos. On voit, il me semble, un petit peu d'émotion, non? C'est effectivement un grand, grand, grand moment. C'est vrai que c'est assez, ça a été génial de votre part d'organiser ça de cette façon-là. Enfin bon, écoute, je souhaite que tu puisses aussi vivre d'autres grands moments comme ça à Disneyland Paris. Voilà, j'ai eu ma part d'urgence. Bah voilà, le moment câlin. Sully, dis-nous, on sait que tu es venu pour encourager notre ami Sébastien, mais tu as peut-être un message pour lui. Merci, c'est adorable d'être venu pour m'encourager.